Exterminate. Salut, c'est Bouedin et il faut qu'on discute ensemble des projets du mois d'août, de la rentrée des 2048 abonnés et du gagnant de ce dessin, juste là, derrière moi. Mais on fera ça à la fin. Parce que oui, vous, bande de gourgondins, vous voulez me voir dessiner la proposition de Ceni99, le Tardis dans un Big Mac géant. Ou alors le Tardis miniaturisé dans un Big Mac. Allons-y, Alonso. Donc je fais la version, bien sûr, Big Mac, des publicités McDo. Hein. Je fais pas celle que vous avez en vrai, que vous mangez, parce que sinon il serait tout raplaplat. Voilà, vive la publicité mensongère. On a tous, je pense, ça dans son assiette, c'est-à-dire un Big Mac qui ressemble à rien. Bon, j'ai pris le pinceau parce que je vais devoir faire un gros Big Mac, hein, un Big Mac géant. Ou alors ça pourrait très bien être un vrai Big Mac. Hop, là c'est la sauce. Sauce qui dégouline, voilà. La fameuse sauce Big Mac avec la recette secrète. On pourrait très bien imaginer que le Big Mac est d'une taille normale et que c'est le Tardis qui est minuscule. Mais je préfère que ce soit un Big Mac géant et que du coup Doctor Who, imaginons, arrive dans le film une tempête de boulettes géantes, là, tempête de boulettes géantes 1 ou 2, ou sur une planète du style, et voilà, et se pose sur un Big Mac géant. Ou dans un Big Mac géant. Ça serait marrant. Donc, la deuxième tranche de pain, hein, parce que voilà. Hop, on peut imaginer une petite tomate qui dépasse. Voilà, il m'en reste déjà qu'une minute, donc il faut que je fasse le Tardis. Voilà, on fait rapidement le deuxième steak. Donc Steven Moffat, si tu m'écoutes pour la saison 8 avec Peter Capaldi, hein, que j'attends avec impatience, eh bien, fais un épisode comme ça, ça serait chouettos. Et là, on a la tranche de salade. La tranche de salade, c'est là-dessus que je vais mettre le Tardis. La dernière tranche de pain, voilà, j'aimerais bien faire des petits effets sur le pain, voilà, pour dire que c'est aéré. Je vais d'abord faire le Tardis, voilà, sur la tranche de salade qui ressemble pas du tout à une tranche de salade. Alors je me concentre pour ce Tardis. Voilà. Vous avez pu voir que j'ai fait un Tardis en Lego, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Si vous voulez les pièces, je vous filerai le modèle. C'est presque fini, voilà, il y a un machin comme ça. Ça brille. Voilà, c'est très mal fait. Voilà, c'est le Tardis en 2 minutes dans un Big Mac. Voilà le résultat qui me plaît assez bien. Et comme le petit concours de la dernière fois vous a plu, ce dessin est également à gagner. Mais cette fois, il faut cliquer donc là juste devant vous, ça apparaît sur ma page Facebook où il y aura un statut où il faudra mettre un commentaire. Ce sera plus simple pour moi pour vous retrouver et aussi pour gagner plein de sous. Et le gagnant du Richard Marty McFly, c'est White76360, ça s'affiche juste devant vous. Donc félicitations à toi et envoie-moi un message Google ou Twitter ou Facebook pour me donner ton adresse. Là, comme ça je te l'envoie. Maintenant, discutons un petit peu. Alors, concernant ce mois d'août, il n'y aura pas beaucoup de choses. Car c'est le seul mois de l'année où je travaille du lundi au vendredi 10 heures par jour. Donc, bah, j'aurai pas beaucoup de temps pour les projets, etc. Je ferai, c'est sûr, au moins 2 minutes pour dessiner. Et il y aura une petite surprise. Un petit dessin animé qui sera d'ailleurs disponible en avance pour mes abonnés Tipeee. Ensuite, les 2048 abonnés vont bientôt arriver, normalement fin août, début septembre, hein, peut-être même avant si vous partagez cette vidéo. Et j'avais promis dans la dernière vidéo abonnée que j'en ferai une pour les 2048. Et que vous pourriez me poser des questions, donc c'est le moment, posez-moi ces questions sur Twitter, sur ma page Facebook, ou même en commentaire de cette vidéo, je les sélectionnerai, je les mettrai dans un petit dossier et j'y répondrai lors de la vidéo des 2048 abonnés. Et pour terminer, concernant la rentrée, eh bien, BDM va reprendre, 2 minutes pour dessiner va continuer, je ferai peut-être d'autres petits dessins animés si vous avez aimé celui qui va arriver là courant mois d'août. Et j'ai d'autres projets d'émissions sur les rails, je sais pas quand est-ce que je les ferai, je peux pas vous en dire plus. Donc restez à l'affût, continuez de regarder, de liker, de partager, et je vous souhaite de très bonnes vacances, un très joyeux mois d'août, à très vite.